anticipation growing for our main event steel cage match between Alberto Del Rio and Christian. Christian walking to the ring with a purpose. Alberto Del Rio cost Captain Charisma 6 months of his career when Del Rio tore the pectoral off the chest of Christian. Christian is trying to interfere with my destiny. They're trying to lock me inside a cage like an animal. And now Del Rio using Christian to climb the steel cage. He's got to get both feet on the ground, and there's Christian as well. And look at Christian. Oh, my Lord. Christian draped all over Del Rio. Christian looks like he's holding Del Rio up. They're trying to hang him up. Upper hand on him, especially going into WrestleMania. Oh, you gotta be kidding me. This is a really nice car. Is it a Bentley, right? What is this, about $200,000, $300,000? Be a shame if I accidentally picked out the headlight. I wouldn't go any further. I could accidentally completely scratch this paint job. I could grab my good friend here, Mr. Chair. Hey, Chad, thank you. Leave my car. I could take this chair. Oh, Brodus! Wow. Big Brodus just came in from the backside. Straight out of the gate. Well, that's going to teach Edge. Man, he's going to be going into WrestleMania a little bit more banged up than I thought. Replace your legacy with my destiny. Edge, le champion du monde, poids lourd, en pleine discussion, très animé avec Theodore Long, le patron de SmackDown. Écoute, ça n'a aucun sens ce que tu me dis. Comment as-tu pu faire passer cette loi? Tu sais très bien que je dois me venger, et là tu me donnes même pas une chance. Il y a du favoritisme là. Non, deux secondes. Ce que je fais, c'est dans l'intérêt de la WWE, dans l'intérêt du main event de WrestleMania pour SmackDown. Et c'est dans ton intérêt et celui d'Alberto Del Rio. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de l'intérêt d'Alberto Del Rio? Écoute, cette discussion est terminée. C'est allé trop loin. Je rappelle la règle. Si toi ou Alberto Del Rio vous vous touchez, vous serez tous les deux bannis de WrestleMania. Bonsoir à toutes et à tous, ça y est, nous y sommes, c'est la soirée de catch du vendredi soir sur Inter, c'est Catch Attack, on commence avec SmackDown, on finit avec Raw, vous connaissez bien sûr la musique, tic-tac, tic-tac, non, ça c'est pas la musique, ça c'est le décompte, à rebours avant WrestleMania, nous sommes à quelques jours de ce rendez-vous mondial, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Christophe.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bienvenue à Columbus, Ohio pour WWE SmackDown. Et ce soir, pas de blabla. Ce soir on débute avec de l'action, avec Ouyaka. The in-ring action with the most fabulous luchador in all the world, Ouyaka. Rey Mysterio. Encore une fois, je n'attends pas et je n'entends pas. Ouyaka. Il y a quelques jours, à WWE Raw, Rey Mysterio affrontait Randy Orton dans un WrestleMania Rewind. On se souvenait de WrestleMania 22 et de ce main event gigantesque qui avait permis à Mysterio de devenir champion du monde. Et bien ce soir, on remet le couvert dans le retour en arrière. Rey Mysterio va faire face à son adversaire de l'année dernière à WrestleMania, en d'autres mots, CM Punk. Oui, c'est un véritable voyage dans l'histoire des grands matchs de la WWE. Et un grand voyage également dans ce moment mythique, cet instant incroyable qui est WrestleMania. Alors bien sûr, comme d'habitude, Michael Cole est enfermé, non pas dans sa bulle, mais dans cette cage en verre qu'il intitule la mine. Moi, ça me mine, hein, personnellement, de le voir comme cela et de voir aussi qu'on prend et qu'on perd surtout autant de temps à parler de lui. Dans 9 jours, Rey Mysterio fera face à l'homme qu'il a défiguré, devrais-je dire, pour être plus précis en l'occurrence, Cody Rhodes. Mais pour l'instant, mesdames et messieurs, voici l'homme qui, à WrestleMania, sera tout seul face à Randy Orton, the Straight Edge Champion, CM Punk. Chaque fois qu'il construit quelque chose, chaque fois qu'il forme une société ou un groupe, eh bien, il se retrouve tout seul. C'est incroyable, hein. Vous vous rappelez de sa SES, de sa Straight Edge Society? Eh bien, il a réussi à la faire exploser de l'intérieur, à la faire imploser. Eh bien là, depuis ces dernières semaines, il se retrouve tout seul. Son équipe a été décimée. Voilà ce qui s'est passé il y a quelques jours à WWE Raw. Randy Orton faisait face, je vous l'ai dit, à Rey Mysterio. Le combat était haut en couleur, était rapide, était bon. On aurait aimé voir une fin jusqu'à ce que CM Punk intervienne sur le grand écran pour montrer ce bus dans lequel se trouvait la jeune épouse de Randy Orton. Et ensuite, eh bien, l'agression a eu lieu. Oui, c'est le bus familial avec lequel Randy Orton voyage pour ses grandes tournées de la WWE. Et là, bien sûr, CM Punk a sorti cette clé. Cette clé non pas à molette, mais cette clé à genoux qui a littéralement brisé celui de Randy Orton. Randy Orton qui a été sous les propres yeux de sa femme. Attaqué donc par CM Punk. Et il revoit ces images avec beaucoup de joie et d'insolence. Ah, il a pris sa revanche sur Randy Orton qui pendant 4 semaines a littéralement décimé la Nexus. Ah bah il est assuré d'être tranquille maintenant. Randy Orton, plus d'intervention possible à WrestleMania lorsqu'il sera face à CM Punk. Ce soir d'ailleurs aussi, pas d'intervention possible pour ce match. Du coup, Rey Mysterio peut remercier Randy Orton. Hein? Bah oui, grâce à Randy Orton, maintenant tous ceux qui vont affronter CM Punk sont tranquilles, ils sont sûrs d'être pénards. Dans ce sens-là, effectivement, vous avez raison. Plus de Michael McGillicuddy, plus de Husky Harris, David Otunga ou encore Mason Ryan, CM Punk est tout seul au sous-entrée de porte à la volée. C'est déjà le moment pour Rey Mysterio à 619 en préparation, non? Non, trop vite, trop tôt dans ce match. Attachez vos ceintures, mesdames et messieurs. On est parti pour une émission à 200 à l'heure. Ah oui, c'est WWE SmackDown et c'est Ray Ray. 2 et il n'y aura pas 3. Encore un dégagement de CM Punk. Ouais, c'est en effet un combat qui démarre sur les chapeaux de roue. Ah, les deux hommes se connaissent sur le bout des doigts, souvenez-vous. Rey Mysterio avait affronté CM Punk dans un match masque contre cheveux, ce qui a fait de CM Punk ce personnage-là, puisqu'avant il avait les cheveux longs, il a dû se les raser totalement. Oui, entre-temps, ça repoussait bien sûr. On a vu une envolée magnifique avec un springboard de la part de Rey Mysterio, mais ce geste a été esquivé par CM Punk qui du coup profite depuis et qui laisse au sol le petit Mexicain. Et 2. Et il n'y aura pas 3, encore un dégagement. Vous l'avez compris, avant le générique de cette émission, ce soir, ni Edge ni Alberto Del Rio n'auront le droit de se frapper entre eux. Ils sont totalement interdits de frappage. Je ne sais pas si c'est une bonne expression, mais en tout cas, elle est claire. Bien sûr, bien sûr. Ils n'ont pas le droit de s'approcher, déjà, et d'une. C'est un petit peu, vous savez, comme ces divorces qui finissent mal. En général. Vous savez, il y a une zone... qu'est-ce qu'il est en train là, de lui broyer
les côtes avec, avec le son coude. Effectivement, pendant qu'il porte cette abdominal stretch. C'est un vicieux. La prise du maquis en français. On repasse derrière. Rey Mysterio est contré. On part dans les cordes. Oh, pas mal. C'est CM Punk qui s'est envolé à l'extérieur. Ouais, il l'a envoyé là, littéralement entre les cordes. Ah, il sait bien s'en servir de ses entre-cordes. Oh là là, Rey Mysterio. Rey Mysterio qui. Oh, je pense qu'il partait pour un Asahi Moonsault, mais il vient d'être contré. C'est dangereux, c'est dangereux. CM Punk va le fracasser. C'est dangereux. Sur les barrières. La tête la première là sur le haut de la barricade à quelques centimètres seulement de ses fans. Rey Mysterio et Groggy. Et CM Punk rigole. Mais jusqu'à quand? Yo soy un luchador con fortaleza. Yo soy un guerrero latino. Yo soy, I am Rey Mysterio. Nous sommes de retour sur le ring de SmackDown. Rey Mysterio contre CM Punk, c'est l'affiche que nous vous proposons pour ce début de soirée. Une soirée qui s'annonce grandiose. La carte, on ne va pas vous la donner, on va plutôt vous la proposer au fur et à mesure qu'on va faire passer les plats. Oui, en tout cas, je peux déjà vous annoncer, car je l'ai déjà fait à Raw, qu'il y aura un match de championnat intercontinental. On aura également l'Undertaker qui devrait être là. Pour le reste, il va falloir rester avec nous et croyez-moi, vous auriez tort de ne pas le faire. Prise de soumission portée par CM Punk. Waistlock porté par l'ancien champion du monde, trois fois champion du monde, CM Punk. Rey Mysterio qui revient, lui qui a été deux fois champion du monde dans sa carrière. Coup de genou pour se défaire de la prise, un coup de pied maintenant. Et on sent la jette dans les cordes, on prend de la vitesse. Mais il reprend de la vitesse en effet, il passe en dessous, non, il est bloqué. Oh, et il était attendu sous le pont. Et attention, le tombé un, et deux. Et il n'y aura pas de trois, simplement deux. Écrasement, je n'ai pas bien compris ce qu'il a tenté de faire. C'était pas très joli, mais semble-t-il efficace. Et encore une fois. Et encore un dégagement de la part de Rey Mysterio. C'est CM Punk qui essaie de trouver des solutions, mais pour l'instant, il n'y arrive pas. Écoutez le public, tout l'univers de la WWE qui scande 619-619. Alors que CM Punk continue à se concentrer sur la ceinture abdominale de Ray qui enchaîne tout de même. Il se projette. Oh, crossbody, le tombé, c'est fait, c'est fait. Oh non, c'était limite, c'était très très limite. Et oui, il s'en veut. Il demande à l'arbitre de compter un petit peu plus vite, mais on a pu voir que ce crossbody de CM Punk était effroyable pour Rey Mysterio parce qu'il n'avait pas beaucoup d'envergure, hein, CM Punk, mais il a très 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 bien calculé la trajectoire de Rey Mysterio lorsque celui-ci avait rebondi sur les cordes. Prise de risque maximale pour le leader de la Nexus, le leader isolé de ce gang de voyous sur la troisième corde, CM Punk. Il vient s'empaler dans les godasses de Ray. Le timing était parfait pour Rey Mysterio qui a attendu le bon moment pour envoyer ses talons dans le bide de CM Punk. On va revoir cela, regardez. Le geste est exceptionnel. Ah oui, tout s'est joué en effet dans le timing et Rey Mysterio lorsqu'il s'agit de timing aérien, il connaît ça sur le bout des doigts ou même là en l'occurrence le bout des pieds. Ah oui, il est pas mal aussi en kick même si là c'est low kick, ne vont pas très haut. Il va l'emmener, forcément. Il va l'emmener et il le fait passer. Oh oui, par-dessus la troisième corde. Et allons-nous apercevoir une voltige dont Ray Ray a le secret. Asahi Moonsault à la Ultimo Dragon. Une nouvelle fois, la gestion de l'espace aérien est quasi parfait pour Rey Mysterio. C'est Cody. Oh, il vient de le projeter salement là, à l'extérieur. Il vient de lui fracasser contre le poteau d'acier. Là, on va arrêter le match. Hein. Ah, le match est terminé. Effectivement, l'arbitre est allé immédiatement donner sa décision aux officiels à l'extérieur, mais ça n'empêche pas du tout Cody Rhodes, l'ancien fringant, de venir. Oh, et là, il est en train de lui détruire la tête avec son masque qui est un masque protecteur. Et qui dit masque protecteur, bien sûr, eh bien, il peut s'en servir comme arme. Oh, parce que ce masque est très dur. Hein. C'est une sorte de résine transparente qui protège, bien sûr, le nez cassé, enfin l'ancien nez cassé de Cody Rhodes, mais qui lui permet de véritablement être une arme.
Cody Rhodes, je crois qu'il veut défigurer Rey Mysterio comme il pense que Mysterio l'a défiguré lui, alors que, vous le voyez, il n'a aucune aucun stigmate, mais il a fait... Il a remis la genouillère, celle par laquelle tout a commencé. Rey Mysterio, souvenez-vous, avait porté un 619 avec une genouillère apparente comme ça. Ce qui a détruit... Non. L'esprit de vengeance de Cody Rhodes jusqu'au bout. Œil pour œil, dent pour dent. Face pour face, genou pour genou. Regardez. Une fois que son agression est terminée, Cody refuse à nouveau d'être vu, refuse à nouveau d'être face caméra. Il vient de détruire le visage de Rey Mysterio. Incroyable. Quel changement de caractère. Un 619 dans le visage et Cody Rhodes est devenu le plus grand psychopathe de SmackDown. Évidemment, ça ne s'est pas arrêté au poteau. Ensuite, il y a eu ce coup de boule. Puis une descente du genou et enfin cet écrasement terrible dans le coin à pleine vitesse. Oh là là. Intervention horrible de la part de Cody Rhodes. Du coup, CM Punk n'a pas demandé son reste. Entre temps, il était parti. Et les médecins qui ont essayé d'enlever un petit peu le masque de Ray pour essayer d'évaluer les dégâts. Nous sommes dans les vestiaires avec le champion du monde poids lourd, la superstar classée X, Edge. Et voici son pote Christian. T'es sûr que... T'es sûr, il reste plus que 9 jours. Écoute, à mon avis, tu pourrais tout simplement te reposer. Franchement, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'être dans la même salle qu'Alberto Del Rio ce soir. Franchement, c'est un risque parce que tu vas affronter Drew McIntyre, tout peut arriver. Écoute, pas de problème, mais je sais ce que je fais. Je serai dans le coin pour ton match. Je veux montrer au monde, je veux montrer à Alberto que je suis à 100%. Rien ne m'empêchera d'aller à WrestleMania. C'est l'affrontement que tout le monde attend, que certains redoutent. Et pourtant, il aura bien lieu à WrestleMania dans moins de 10 jours. Mais ce soir à SmackDown, l'Undertaker s'adresse en direct à Triple H. Il lui répond après Raw. Ladies and gentlemen, boys and girls, peeps of all ages, welcome to your show. Welcome to the Peep Show. This moment has just become instantly classic. Peeps are on their feet. Christian has heart. Christian's been around the block a few times, to say the least. Christian looking to pull the kill switch. Kill switch coming. Kill switch, there it is. Interdit de bagarre. Le voici, la superstar classée X, l'actuel champion du monde poids lourd, 11 titres à son actif, le Canadien Edge. Ah oui, quand il débarque, ça s'entend. Il y a lui et les autres actuellement à SmackDown. Il a été au cours de ces derniers mois l'un des transfuges les plus bruyants, les plus percutants pour les autres, les plus étonnants et surtout le transfuge le plus gagnant. Il est passé de Raw à SmackDown avec ce succès que l'on connaît, puisque le succès, eh bien, il le porte autour des reins. Mais ces dernières semaines, la route vers WrestleMania est devenue très sinueuse, très dangereuse pour l'opportuniste ultime, agressé semaine après semaine après semaine par Alberto Del Rio, avec, on l'a revu avant le début de cette émission, le concert la semaine dernière qui, eh bien, a pour conséquence de nous présenter un Edge ce soir emmitouflé dans ses protections. Il prétend être à 100% aujourd'hui. C'est un test, car face à lui,
un ancien champion intercontinental, Drew McIntyre. Est-ce bien raisonnable, Christophe? Parce que si quelques superstars ont déjà des matchs de prévu à WrestleMania, d'autres n'en ont pas. Et pour Drew McIntyre, d'ailleurs, par exemple, ce match de ce soir serait une bonne occasion de se faire remarquer. Il a beaucoup à perdre hein, ce soir. Edge en cas de blessure. Drew McIntyre, on le sait, hein, a envie de se faire remarquer pour de multiples raisons. D'abord par les officiels, un petit peu aussi par Kelly Kelly, même si on sent quand même que cette histoire sent un petit peu le roussi. Oui, je pense qu'il a abandonné tout espoir. Ah bon, enfin bon, vous savez, un cœur meurtri et plein d'espoir. Le premier contact entre les deux hommes qui se sont affrontés il y a quelques semaines, ça avait été un combat difficile, mais remporté par Edge. Et il entame immédiatement. Lui, il a un message à lancer. C'est vrai qu'il a beaucoup à perdre ce soir, mais si on l'a bien écouté tout à l'heure, on comprend qu'il veut à tout prix montrer au monde et à Alberto Del Rio qu'il est à 100%, qu'il est prêt pour la guerre finale de WrestleMania. Et déjà, regardez Drew McIntyre qui se rue là sur ce bras malade. Ouais, c'est normal. Forcément, c'est normal. Avec un tel bras en vrac, une épaule en vrac, avec ce strap qui est plus que voyant, ça attire toutes les convoitises et toutes les mauvaises intentions du monde. Ben, ça sera exactement la même chose à WrestleMania avec Alberto Del Rio. Alors autant qu'Edge se prépare au mieux dès ce soir. Mais une défaite d'Edge dans ce match contre Drew McIntyre pourrait propulser l'Écossais directement dans le main event de WrestleMania. Car on pourrait parfaitement aller voir Theodore Long et lui dire « Écoute, je viens de battre ton champion du monde, je veux sa place à WrestleMania. Oui, » Ça pourrait se faire. C'est vrai, ça pourrait se faire. Et on voit avec quel hargne littéralement Drew McIntyre est en train de travailler sur le bras de Edge. Il l'a retourné tout à l'heure d'une manière extrêmement violente. Et là, je pense que Edge ne pensait pas tomber sur un homme aussi dur, aussi intransigeant, aussi intraitable. Et pourtant, Christian, on l'a vu dans les vestiaires, a tenté de le raisonner, mais ça n'a pas marché. Oh, joli bras à la volée qui a fait voler justement Drew McIntyre de la deuxième corde. Coup de la corde à la geste qui va en prendre la vitesse. Coup d'avant-bras porté directement dans le front. Un coup de la corde à la geste maintenant. Il enchaîne, voilà. Tant qu'il ne reste pas là au milieu du ring, eh bien, il n'est pas en danger. Mais là, attention, la démonstration de ce que je viens de dire. C'est fini, Philippe. C'est terminé. Future Shock DDT en préparation. Non. C'est loupé. Il est passé par-dessus ses épaules. Attention, c'est ramené au sol. Il le retourne. Ah. Pour sa prise de soumission. The Educator. Nous y sommes. The Educator porté par Edge. Au centre du ring. L'éducateur. Ouais. Il va le faire abandonner, c'est pas possible. Les cordes sont trop loin. Drew McIntyre abandonne. Il s'en sort bien. Il s'en sort extrêmement bien, Edge. Comme quoi la détermination, la rage, l'expérience, voire même le vice, permettent parfois de remporter un match, même si on n'est pas à 100%. Je crois qu'Edge est arrivé, non pas en dilettante, mais un petit peu sûr de lui. Et par la douleur, il s'est réveillé. Il a été humilié par Drew McIntyre sur les premières minutes de ce match. Un peu trop passif. La douleur, une fois passée, lui a permis de reprendre ses esprits et peut-être de reprendre encore là, ici, une attitude qui me paraît pas forcément le match est terminé. Nécessaire. Non, le match est terminé. J'en ai marre de voir ces Randy Orton, ces Edge là qui veulent toujours en rajouter après le match. Non. Spear. À chaque fois, on le sait, ces gestes-là sont autant de messages envoyés à leurs futurs adversaires. En l'occurrence, pour Edge, ce message s'adresse directement à Alberto Del Rio. Et Alberto Del Rio, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, on le retrouvera dans notre main event ce soir à Columbus, Ohio. Ça sera Alberto Del Rio contre Christian. Pas de cash cette semaine, mais Edge sera dans le coin de Christian. Ça peut encore dégénérer. Et Drew McIntyre n'a pas fait un pli, ou plutôt si, un gros pli en deux. SmackDown ce soir, c'est beaucoup de matchs. Et ce sont bien sûr des grandes rencontres, des gros affrontements. Comme celui-ci, Christian contre Alberto Del Rio, sous le patronage de la superstar classé X, le champion du monde poids lourd, le Canadien Edge. Je m'entraîne chaque jour. On peut se blesser à tout moment.
Le tendon relié à l'os s'est déchiré. J'ai compris qu'il y avait rupture dès que c'est arrivé. J'ai souffert d'une déchirure totale du muscle pectoral. J'ai subi 5 opérations du genou gauche. C'est une douleur qui n'est comparable à aucune autre. J'ai entendu un claquement. J'ai compris qu'il y avait un problème. Ne prenez pas ce risque. Ne faites pas ça chez vous. Eh bien, je crois qu'il est temps pour... Vous allez la fermer, oui. Ah quoi? Mais papy! Bah quoi, j'étais pas sur le coup, mais j'y suis maintenant! Alors, vous êtes encore en robe de jambe? C'est le coffre à catch! C'est quoi ce bazar? Catch! Un coffre à catch énorme, je sais pas comment on va faire pour, ouais. Pour les faire rentrer. Vous savez quoi, ça me rappelle mamie! John Cena et le Big Show, c'était en 2009. Elle avait un peu le visage qui ressemblait aux fesses du Big Show. Oui. Un peu bouffi. Oui, et ses fesses ressemblaient à quoi du coup? Ah, bah ça, c'est un peu à votre tête à vous. Merci, ça fait plaisir. Mesdames et messieurs, un combat d'époque entre le Big Show et John Cena, tout ça sous les yeux de la superstar classique X, pardon, Edge. Oui, vous allez comme un hic, mon cher Christophe. Avec. Pardon, vous êtes moqué de moi là? Non, pas du tout. Je ne me permettrai pas. Projection dans le coin. Le Big Show et John Cena, une vieille histoire qu'on a ressortie donc du coffre à catch. Ah, c'était à l'époque où John Cena était encore en rivalité avec Edge, tout ça. Sous le patronage, comme vous avez dit tout à l'heure, de Vicky Guerrero. On sait également que le Big Show avait eu une relation avec Vicky Guerrero. Oh, c'est pas vraiment une relation, on va dire que c'était une petite amourette. Ah oui, une petite amourette? Ouais, une petite amourette. Ah, les amours de vacances, ouais. Les histoires sans lendemain, à laquelle on repense, les yeux pleins de chagrin. Vous êtes bucolique, Christophe? Non, bucolique, c'est quand il y a des fleurs partout. Là, c'est le printemps. C'est le printemps, c'est normal. Oh! Double Bigfoot porté par John Cena sur la deuxième corde. John Cena maintenant qui part pour une prise du sommeil. Sleeper hold en anglais, évidemment. Ah, le Big Show essaye de tenir. Vous avez vu John Cena là qui se cramponne à son adversaire. C'est une bonne prise. Comme une carapace à une tortue. Oui, c'est une bonne prise parce que John Cena avec ses bras monstrueux et peut-être le seul à pouvoir comme cela mettre en difficulté le Big Show qui pourrait d'un moment à l'autre littéralement tomber raide. On est en train d'abattre le géant, on est en train d'abattre la montagne. Il va lâcher. Le Big Show est en train de lâcher. Ah, il a ouvert les yeux une dernière fois pour voir à peu près où il se trouvait dans ce coin, mais John Cena résiste. Eh oui, mais vous avez vu, il est tellement grand le Big Show qu'il ne peut pas en fait bloquer le dos de son adversaire dans le coin. Celui-ci est au-dessus. Il est donc là dans l'embarras. Il va y arriver. Ah, il est en train de faiblir. Au centre du ring, le Big Show a posé un genou. Regardez-moi ça, John Cena qui a tout donné. Ça y est, maintenant le Big Show à genoux est quasiment de la même taille que John Cena debout. Et le Big Show s'endort, ça y est. C'est nous terminé. Y sommes. Oh, non, il se relève. Oh, sidewalk slam. Oh mon Dieu, mais quel sidewalk slam porté par le Big Show. Oui, c'est véritablement le geste du désespoir de la part du Big Show, mais un geste qui est désespérant pour John Cena. Tout le monde attend ce véritable choc pour WrestleMania. Triple H contre l'Undertaker avec une stipulation très spéciale. Pas de prise interdite alors. Évidemment, ça fait parler beaucoup de monde. Ça fait même parler les superstars et même les Hall of Famers de la WWE. Alors, le tour du monde de ce que pense l'univers de la WWE, c'est maintenant. Quand il est revenu, je me suis dit, c'est bien, il y aura bien un WrestleMania. Quand Triple H a interrompu les Undertaker, je me suis dit, oh, ça promet. Il y a de la confiance, il y a de la suffisance et de la folie. Et quand on se permet d'interrompre l'Undertaker, on dépasse toutes ses limites. Ils n'ont pas dit un mot. Pas un seul mot. J'ai trouvé ça incroyablement intense. En plus de 40 ans de carrière, j'ai jamais rien vu de tel. Triple H faisait une déclaration. C'est ce qu'il devait faire pour attirer l'attention de l'Undertaker, et il a réussi. Triple H veut devenir l'icône absolue, la légende. Il a fait tout ce qu'il fallait faire à la WWE, excepté une chose. Il doit gagner ce match. Toute sa carrière en dépend. Je pense qu'il est vraiment persuadé qu'il doit accomplir cela.
Pourquoi Triple H a choisi l'Undertaker à WrestleMania? Ça tient en un mot. Son invincibilité. La WrestleMania est le cimetière personnel de l'Undertaker. Il est invaincu depuis 18 ans. C'est ce qu'il représente. 18 victoires, 0 défaite. C'est comme si une équipe remportait 18 Super Bowls consécutifs, n'est-ce pas? On n'a jamais vu ça. Au départ, on se dit qu'il y a une bonne part de chance. Mais en 18 ans, elle l'aurait abandonné depuis longtemps. À WrestleMania, on n'a jamais vu meilleur que The Undertaker à la WWE. Très franchement, je pense que la carrière tout entière de l'Undertaker peut aisément se résumer en un seul mot. WrestleMania est la propriété de l'Undertaker. Rien n'est éternel. Et ces deux dernières années, on était à ça. À ça. La série de l'Undertaker ne tient plus qu'à un fil. Dans ce match où tout est permis, il n'y a aucune limite. Je crois que Triple H a de grandes chances de mettre fin à sa série de victoires. L'état d'esprit de Triple H est ce qui le différencie de toutes les autres victimes de l'Undertaker à WrestleMania. Il mesure les risques. Il est concentré. Et si on regarde le palmarès de Triple H, dans les matchs sans limite, il est sacrément impressionnant. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un sur cette planète aujourd'hui qui puisse mettre fin à la série de victoires de l'Undertaker. Ça fait 18 WrestleMania d'affilée que l'Undertaker bat son adversaire. Ça a été mon cas. Alors, faites-moi confiance, ce jour-là, il est imbattable. Je n'ai jamais été aussi loin que lorsque j'ai affronté l'Undertaker. Ils vont marquer l'histoire de WrestleMania à jamais. Deux hors-la-loi, deux légendes, deux des plus grands catcheurs de tous les temps. C'est comme si deux plaques tectoniques se rencontraient. Tous les deux vont jouer leur carrière dans ce match. Tout ce qu'ils ont pu faire autrefois, ça ne représente que ça pour chacun des deux comparé à ce qu'ils vont vivre. Dire que ça aura un impact, c'est un euphémisme. Je suis certain que ce sera le clap de fin pour l'un de ces deux hommes. Seul un homme pourra se vanter d'avoir battu l'Undertaker cette nuit-là. Ces deux icônes vont se retrouver face à face et je ne vais pas les manquer. Pour moi, c'est plus important que le Super Bowl. Place à WrestleMania maintenant. Les fauves seront lâchés. Here we go. C'est parti. Vous n'êtes pas un grand nom de la WWE, Christophe, mais quand même, que pensez-vous de ce match, de cet affrontement? Ah, ça va être un combat historique, ça, mais on le dit chaque année lorsqu'on parle de WrestleMania, mais ça va surtout être un choc incroyable et il n'est pas sûr qu'il n'y ait pas une émeute sympathique, j'entends, dans le Georgia Dome d'Atlanta avec tout l'univers de la WWE qui va vivre ce combat comme chaque année on vit les matchs de l'Undertaker. Parce que chaque année, on se dit que quelqu'un va finir par le battre. Oui, mais ce soir, l'Undertaker répond, s'adresse en direct, en personne à Triple H. C'est à SmackDown, restez avec nous. Et on vous a dit de rester, seulement pour voir la tête de déterré de l'Undertaker. Et encore, le mot est bien choisi, puisque la dernière fois qu'on l'avait vu avant son retour, il était dans une tombe. Alors il a une tête de déterré, mais elle... Ah, moi j'ai les yeux qui tombent actuellement, tellement elles sont belles. Oui, effectivement, vous ressemblez un peu au loup qu'on voit dans les dessins animés. Oui, oui. Et rangez cette langue. Vous n'avez pas vu encore ma voiture. Rosa Mendes et Kelly Kelly, mesdames et messieurs, vont faire équipe ce soir contre les Lay Cool. Vous ne voulez pas louper ça. Tout, tout. Ding, 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 ding. Dans 50 mètres, tournez à gauche. Et si vous changiez plutôt? Les divas sont là! Hola, hola, hola! Oh, c'est quoi ça? Elle est plus que ses schtroumpfs! Regardez, elles se prennent, elles sont en train de se moquer de Snooki! Oh, alors qui est Snooki? On va peut-être expliquer qui est Snooki à tous nos amis français qui n'ont peut-être pas tous suivi. Ah, il n'y a pas que les Français, Philippe, hein. La Belgique, la Suisse,
le Luxembourg, enfin, tous le nos amis Maroc, francophones. L'Algérie. Voilà. Alors, Snooki, c'est cette jeune femme brune. C'est le boudin, là. Qui, ensuite, vous plaît, Christophe, bon, qui est, pardon, c'est la est l'une des superstars d'une grande télé-réalité américaine et qui donc fera équipe avec Trish Stratus. Oh, je l'ai dit, c'est pas vrai. John Morrison. Elles seront là, les filles. Et de l'autre côté, bien, vous avez pu apercevoir Vicky Guerrero qui observera Dolph Ziggler, sont toujours copains. Et ces deux femmes-là, là, ces deux pitres qui n'ont de cesse de se moquer des autres. Ah, ça leur va bien. Hein. Vous avez vu ça avec carrément des pantoufles schtroumpfs. Oui, bah oui, c'est la première chose que j'ai remarqué moi quand elles sont arrivées. Ah, oui, j'en marque toujours les pieds sûr. Des filles parce que. Oui, parce en général, que vous êtes un fétichiste. Non, pas du tout, parce que quand vous avez une femme ou une petite qui amie. Qui pue les pieds. Non, non, simplement, ça vous coûte un bras parce que. C'est qu'il faut les chausser, ces femmes. Vous savez, il y a un souci. Et là, c'est quoi ça? Bah, je pense que c'est une danse de Snooki. Oh. Mais attention, elles sont en train de se faire contrer. Elles sont en train de se faire contrer. C'est catfight. Wouhou. Catfight. Attention, à l'extérieur du ring, regardez, Kelly est en train de schtroumpfer littéralement Michelle McCool, alors qu'à l'intérieur, c'est Lila qui est en train de schtroumpfer avec un très bon coup de schtroumpf dans la tête. Et c'est reparti encore avec un coup d'avant schtroumpf. Oh, Philippe, je vous en prie, écoutez, notre public est beaucoup trop jeune pour se souvenir de ce vieux dessin animé, bande dessinée qui était les schtroumpfs. Bah, nous sommes raccord, c'est le show bleu. Mais j'entends bien, oh, coup de genou dans l'abdomen, Rosa Mendes avec une snap souplex parfaitement exécutée, bravo. Il n'y en a même pas trois, simplement deux. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va pas vraiment pas bien. Hein. Bah non, elle est blessée, hein. C'est peut-être ça aussi, hein, Philippe. Hein. Oh. La douleur fait parfois faire des choses. Attention! Oh, le brise-nuque là! Oh, très mauvais! Ah oui, parce qu'elle lui a brisé et la nuque et les reins. Et deux et trois! Oh. Je crois qu'elle s'est mis des trucs dans la culotte pour faire des fesses plus grosses. Parce que c'est vrai que Snooki a de grosses fesses. Vous croyez? Bah, je crois, oui. Il y a un rembourrage, oui. C'est pas naturel? Non. Comment ça nous sert, vous? Coupez la musique! Hein. Ah, la schtroumpfette va intervenir. Fermez-la. Nous aimer. It's match time. It's match time. WrestleMania's here. Woo! Bon, hey. Okay. Super. Seriously, people, look sérieusement. Who we're dealing with. I mean, we've got Trash Stratus. Regardez qui on doit affronter. Yeah. Trash Stratus. Stratus, la poubelle. John Snorrison, John l'ennuyeux. Vas-y, lève-toi. I know that. Mais il est ennuyeux. Oui, je sais. Snooki. Et puis il y a Snooki. But shall see that little meatball queenette. She's so famous. Elle est tellement célèbre, cette petite naine. She is famous. Oui, c'est vrai, elle est célèbre. The reality is, she may be famous, but she'll never be famous. And flawless. Alors son problème, c'est qu'elle est connue soit, mais elle ne sera jamais sans défaut. Je vous fais la danse. Enfin, je traduis la danse ou pas? Allez-y, essayez qu'on rigole. Christophe, vous allez vous faire mal. Ah bah, je vous avais dit. Oh allez, je me suis foulé un muscle. Oh, je savais même pas que j'en avais des muscles. Ah bah là, vous en avez un là, oui. Et là aussi, là. Et là, ça fait mal, là. Ah oui, forcément. For Justin Gabriel and Heath Slater, this is their biggest test. As tag team champions taking on The Big Show and Kane. The titles could change hands tonight on SmackDown. Gabriel and Slater have got to use their quickness in this matchup. The one-man rock band. He just got rocked, all right. This thing is going to be over with real quick now. Here goes Slater. He's going for the ride. Off the chokeslam, new champions. You can't put your hands on a referee. What the hell is going on? The title does not change hands on a disqualification. Big Show is gonna send him for the ride. What the? Oh, Ezekiel Jackson! And Jackson off the clothesline and Wade Barrett! He can't do that. Well, he's doing it! Oh my! Wasteland! Kane is best to fend off both Jackson and Barrett. But now Slater and Gabriel, it's just too much. The number's too much. Legend knockout!
the core. Mesdames et messieurs, dans quelques secondes, le titre intercontinental est remis en jeu. The Core, déjà champion par équipe, vont-ils ramener une nouvelle ceinture? Wade Barrett défie Kofi Kingston. Hi, je suis Eve, diva de la double. Contest is scheduled for one fall and it is for ce combat est prévu en un tombé et se disputera pour le championnat intercontinental. Il ne manquerait plus que cela que Wade Barrett reparte avec une ceinture, une de plus. Le public est là pour l'accueillir et comme vous pouvez l'entendre, le public est entièrement d'accord avec moi. Wade Barrett, vainqueur de la saison 1 de NXT, une émission de télé-réalité, cherchant la nouvelle superstar du catch. Il avait eu droit à un match de championnat qu'il n'avait pas pu remporter. Et bien ce soir, il peut rentrer dans l'histoire comme le premier champion individuel à avoir gagné NXT et un championnat, parce que sinon, Daniel Bryan, qui était dans la même saison, est devenu champion des États-Unis, et Heath Slater, Justin Gabriel, vous l'avez vu, son champion par équipe. Oui, parce que quand même, n'oubliez pas Daniel Bryan. Boum, boum, boum. Voici Kofi Kingston. Débarqué du Ghana. Capitale administrative Accra. Voici le champion intercontinental, le bondissant, le souriant, le talentueux, Kofi Kingston. Le seul problème, c'est que Kofi Kingston est là pour un match en solo. Et il sourit pas ce soir. Contre Wade Barrett, et qu'il y a quand même 4 personnes sur le ring. Il va falloir, monsieur l'arbitre, faire du ménage. Ce n'est pas un match handicap. Voici Ezekiel Jackson. Ah, c'est le principe de l'intimidation là. On a un Guyanais, un Sud-Africain, un Américain et un Britannique dans le gang de Core. Et c'est le Britannique de Manchester qui va débuter la rencontre, enfin, ou la terminer. Allez, parce que c'est pas un match par équipe, hein. Je me suis laissé effectivement avoir par le nombre. Ouais, mais non. C'est un match de championnat intercontinental, mesdames et messieurs. Le titre en jeu à 9 jours seulement de WrestleMania. Kofi Kingston qui sort d'une défaite assez dure face à Sheamus la semaine dernière. Voyons s'il s'en est remis. Il devrait y avoir à SmackDown comme à Raw, à Randy Orton, pour venir un petit peu décimer ce gang qui est peut-être moins présent, moins agressif que Nexus Arrow, mais quand même. On l'a vu justement. Qui peut poser des problèmes parce que justement, il y a toujours une petite intervention. Dès que le titre est sur le point d'être perdu, eh bien, il y a une. La force du nombre. Il y a un petit geste litigieux, il y a une petite intervention. À la Rick Martel, il nous a fait une roue en plein match, comme le modèle. 1 et 2. Et il n'y a pas 3, et c'est dommage. Parce que ce que vient de faire Kofi Kingston. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Puis-je me permettre ? Non, mais vous cherchez des chevaliers blancs en quelque sorte. Eh bien, moi, j'en ai un rouge et un gigantesque pour vous. Puisque lors du dernier Raw, le Big Show et Kane sont venus détruire The Core qui venait de remporter un match contre Koslov et Santino. Oh ! Mais enfin, en attendant, ils sont toujours là tous. Ah oui, mais après, ça, c'est le problème. Beaucoup moins efficace que Randy Orton. Ah bah si Kane et Big Show sont pas des mecs qui aiment finir le boulot, ça, c'est pas mon problème. Hein. J'irai leur dire. Bah, dites-leur. De votre part, bien sûr. Mais certainement, avec votre accent à couper au couteau, je risque pas grand-chose. Yes, I have to tell you that Christophe Ajus is not telling good thing about you. Ah, là, ils vont croire que je chante sur eux, c'est pas mal. Oui, bien sûr, non, telling. Quoi ? Non, rien, c'est bon. On est dans les cordes. Kofi Kingston a besoin d'un petit peu de temps. Qu'il n'aura jamais, car il vient de se manger un coup de pied magistral, phénoménal de Wade Barrett. L'opportuniste là, ici, il a fait voler à l'extérieur. Vous avez vu Heath Slater, l'œil au beurre noir qu'il a aujourd'hui. Ça date de WWE. Quel coup de pied de Wade Barrett. Ah, il ne laissait aucune chance à Kofi Kingston. Il était empêtré là dans les cordes. Terrible. Et Wade Barrett l'a littéralement expédié à l'extérieur du ring. Et regardez, fier comme Artaban, il avance tranquillement. On ramène Kofi Kingston dans le ring. Le champion intercontinental est soutenu, et c'est peu dire, par l'univers de la WWE. Ça fonctionne. C'est bien. Kofi, 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 seconde. Tout le public ce soir, Columbus, Ohio. Ah, il y met tout son cœur, il y met tout son poids. Non. Il est bloqué. Oh,
est bien ramené au sol. Brack, je t'écrase. Allez, à la Big Boss Man. On a vu qu'il y a mis là, tout son cœur, Wade Barrett. Ça n'a pas suffi. Ah, il y a de belles références dans ce combat. Entre Rick Martel tout à l'heure et Big Boss Man. Regardez la tête d'East Slater. Et ce qui est bien avec East Slater, c'est que ses yeux au beurre noir, pardon. Et ils sont la même couleur que ses cheveux. Voilà, exactement. Ah, mais il est raccord, comme on dit. Hein. Prise de soumission intelligemment portée par Wade Barrett. Voici Justin Gabriel, le Sud-Africain. Le genou bien planté dans les omoplates de son adversaire. Il m'inquiète un petit peu là, Justin Gabriel, parce que vu comment il est placé, on sent qu'il n'est pas là que pour observer. Ouf, coup d'avant-bras. Mais qui vous dit que Wade Barrett a besoin d'intervention pour battre l'histoire, Kingston. Son histoire à lui, l'histoire de Nexus, l'histoire de Cohor d'ailleurs, depuis qu'il a créé ce groupe qui est censé être son véritable leader. Enfin, en attendant, tout le monde est au garde-à-vous devant lui. Du haut de la deuxième corde, Wade Barrett avec une descente du coup. Belle esquive. Très belle esquive de la part de Kofi Kingston. Le public se réveille et peut-être que le gagnant aussi. C'est peut-être le tournant de cette rencontre en effet. Kofi Kingston va pouvoir revenir. Le coup de pied bien esquivé. Les doubles atemi à la Ricky the Dragon Steamboat. Allez, ouh là, ça marque là. Et ça va laisser des traces. Standing dropkick. Il travaille tout en hauteur, Kofi Kingston. Il va prendre de la vitesse, coup de la corde à linge esquivé. Attention. Oh, oui. Joli. Le reverse là ici, le petit coup de pied de bulle a fait des dégâts sur Kofi Kingston. Et maintenant, on part peut-être pour un pump handle slam. C'est parti, non. Kofi Kingston dans le coin, il aime bien un coup de pied pendulaire pour accueillir le mancunien. Et derrière, on enchaîne, on monte doucement, mais sûrement sur la troisième corde dans le coin. Wow, oui, pas mal ce crossbody. Phénoménal. Un, deux. Et il n'y aura pas trois. Je dirais presque un crossbody stratosphérique. Kofi Kingston serre les dents. On sent qu'il est en train de souffrir dans ce match. Magnifique. Standing frog splash. C'est comme ça que j'appelle cette prise, parce qu'il réalise un vrai saut de la grenouille, mais debout. Attention. Oh, 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 oh. On connaît le boom drop. Ah oui, la double descente des cuisses de Kofi Kingston, c'est sa marque de fabrique, en tout cas l'une de ses plus percutantes. Et le public a compris, le public applaudit. Ça y est. Parce que derrière, on va finir le travail. Il va y avoir du trouble au paradis. Oh, attention. Non. Justin Gabriel sur l'oreille. East Slater essaye. Trouble in paradise. Ah bien, voilà. Trouble in paradise. Je crois qu'il est en train de lui faire la copie carbone de son oeil au beurre noir, mais de l'autre côté. Trouble. Oh là. Il l'a pris sur les épaules. Non, pas ça. Il l'a pris sur les épaules. Non, pas ça. Wasteland. Non, pas ça. Wasteland. Non, pas ça. Mesdames et messieurs. Non, pas ça. Mesdames et messieurs, deux. Non, pas ça. Et trois nouveaux champions. En ce moment, non. Nouveau champion. Là, ça en est trop. Ladies and gentlemen, the winner and New World Wrestling Entertainment Intercontinental Champion. David Boy Smith. Mais non, mais qu'on remette les images à l'arbitre, je sais pas qu'il y ait une intervention non pas divine mais officielle. Et une fois de plus, ça ne va pas s'arrêter là. Une fois de plus, lorsque The Core est sur le ring, victoire ou défaite, il n'arrête jamais. Oh non, pas ça. Pourtant, il n'y a aucune solidarité africaine. Justin Gabriel d'Afrique du Sud sur le Ghanéen. Kofi Kingston, on va faire 450 degrés. Oh, 450 splash. On a un nouveau champion intercontinental, Philippe. L'Europe est en train de prendre le pouvoir. La double. Ouais, l'annonce officielle. L'Europe prend le pouvoir de la WWE. Sheamus, champion des États-Unis. Wade Barrett, champion intercontinental. Et ouais. Le monde s'écroule. Du côté d'Euro, on a King Sheamus qui récupère le titre des États-Unis. Et du côté de SmackDown, on a Wade Barrett qui vole la victoire ce soir à Kofi Kingston. Écoutez, je sais plus quoi penser. Et tranquillement, calmement, regardez-moi toutes ces ceintures. The Core a quasiment tout. Champion par équipe, champion intercontinental. Il ne manquerait plus qu'Ezekiel Jackson, champion du monde poids lourd. Et il serait au sommet du monde. A top of the world, man. Top of the world. En tout cas, sans eux, il n'est rien, Wade Barrett. Et c'est bien ça le problème. Il était sur le point là de perdre ce match. Double intervention de la part des champions du monde par équipe. Justin Gabriel pour troubler l'arbitre. Admettez tout de même que là, c'est pas mal du tout. Troubler Kofi Kingston. Vous avez vu ça, comme il l'a chopé en plein vol. Mais enfin bon. Quelle belle lecture du saut là. Il avait largement le temps de s'en remettre de cette histoire, puisque il y avait une double intervention. Ça, c'était pas nécessaire. Non, ça, en effet, c'est le petit plus à la manière de Core.
C'est la cerise sur le gâteau, c'est ça? Exactement. Bon, bien, bravo, super. On a des nouveaux champions. Et à Raw et à SmackDown depuis des semaines, voilà, c'est super. Maintenant, c'est Wade Barrett, champion intercontinental, youpi. Alberto Del Rio dans le bureau de Theo Long qui dit au patron, tu ne comprends rien. I'm not done with him yet. Écoute, j'en ai pas terminé avec lui. Teddy, I still have 9 more days until WrestleMania. J'ai encore 9 jours jusqu'à WrestleMania. 9 jours durant lesquels je peux le tabasser. Écoute, je vais te redire ce que j'ai dit à Edge. Si Edge ou toi, vous vous frappez, vous serez tous les deux bannis de WrestleMania. T'as compris? T'as pas le courage de me bannir. Oh yeah? Ouais? Well, let me give you a little 411, player. Laisse-moi te donner une nouvelle. Been 26 WrestleManias without you. Il y a eu 26 WrestleManias sans toi. Then you just try me. Et si tu crois qu'on ne pourra pas en faire un 27e, essaye. Mon conseil, c'est que tu oublies cette histoire et que tu te concentres sur ton match face à Christian ce soir, ok? Drôle de réponse du Mexicain. Oh, mais quelle sera justement yes. Également la réponse de l'Undertaker oh, yes. Qui s'adresse ce soir chez nous, oh, dans SmackDown. Yes. Il s'adresse en direct à Triple H. My c'est dans un instant. Oh yes. Hi. Bonjour, je suis Rey Mysterio, superstar de la WWE, avec un message très important pour tout l'univers de la WWE. Les superstars de la WWE sont des athlètes professionnels entraînés. Les mouvements que nous pratiquons sur le ring prennent des années pour être exécutés en toute sécurité. À tous les fans de la WWE, n'essayez jamais de copier ce que nous faisons, que ce soit à la maison ou à l'école. Restez en sécurité, ne faites pas ça chez vous. There's an old saying that goes, il y a une vieille expression qui dit change, plus les choses changent, plus elles restent les mêmes. Triple H has convinced himself, s'est convaincu that he has the equation in how to eradicate, qu'il a trouvé la solution à l'équation pour éradiquer l'Undertaker. He talks with confidence. Il parle avec confiance. And how he will defeat me at WrestleMania. De la manière dont il me battra à WrestleMania pour briser ma série de victoires. But this past Monday, mais lundi dernier, I heard Triple H on Raw. J'ai entendu Triple H à Raw. And that confidence. Et cette confiance is starting to fade into uncertainty. Commence à se transformer en doute. And soon, et bientôt,
The uncertainty le doute will turn into despair. Se transformera en désespoir. Because as the days grow closer to the apocalypse, car plus on se rapproche de l'apocalypse, de la fin du monde, he will realize il réalisera that the words die trying que les mots mourir en essayant than he thinks. Se révéleront plus vrais qu'il ne le pensait. The words die les mots mourir en essayant on his tombstone. Seront son épitaphe sur sa pierre tombale. Now I look forward to this Monday night on Raw. J'attends avec impatience le prochain Raw. All of this face to face. Car je pourrais dire tout ça à Triple H, face à face. Triple H. On 2/21/11, le soir de mon retour, lorsque tu as décidé de m'interrompre, ton destin a été scellé. Your number was chosen. Ton numéro a été choisi. At WrestleMania. À WrestleMania. Triple H, you will put all of your accolades, all of your success, tu mettras toutes tes victoires, tous tes succès, toute ta célébrité en jeu. A number. Pour devenir un numéro. And that number. Et ce numéro is 19. C'est 19. Comme le nombre de victoires supposées de l'Undertaker, le nombre de matchs sans défaite, à condition de battre bien sûr Triple H cette année. Et vous l'avez compris, mesdames et messieurs, lors du prochain WWE Raw, il va falloir être là. Le Deadman et Triple H seront dans le même ring, en même temps, face à face, pour la première fois depuis 3 semaines. Et plus que cela, ce soir on attend ce choc entre Alberto Del Rio et Christian. Attention, Christian pourrait très bien arranger les petites affaires de son presque frère. C'est ce soir à SmackDown, notre main event. Un jour à Pâques, les dieux firent une fête merveilleuse avec Ferrero Rocher. Ce fut une explosion de sensations, croquant, fondant, croustillant. Et c'est depuis ce jour que l'on fête Pâques tous ensemble avec... Pourquoi on s'attendait à vivre un main event de feu et voilà que débarque le coach personnel de Michael Cole, Jack Swagger. The All-American American, ancien champion du monde poids lourd, ancien champion de la ECW de Perry, Oklahoma, voici Jack Swagger. On rappelle l'histoire, Jack Swagger doit entraîner cet homme, Michael Cole. Excusez-moi, Philippe, il entraîne Michael Cole. Ouais, enfin bon, il l'entraîne. Il entraîne dans une spirale absolument destructrice pour un certain minuit, Christophe, s'il vous plaît. Il m'entraîne jusqu'à l'insomnie. Non. Bah, on va revoir justement ce qui s'est passé la semaine dernière. Regardez comment. C'est cette semaine. Comment Michael Cole entraîne avec lui. Bout de la nuit. Non, écoutez, Christophe, ça suffit, regardez. Mais on a le droit d'être Lawler, heureux ou pas, parfois. Jerry Lawler souffre. Ah, vous êtes heureux de la souffrance des autres. Oui, particulièrement quand c'est Jerry the King Lawler.
Regardez, voilà de quoi Michael Cole est capable. Regardez avec quel talent, quelle détermination et soumission. Il n'est pourtant pas accessible à toutes les bourses. Oui, ça ne veut rien dire, mais je veux dire que ça veut dire que n'importe qui ne peut pas la faire. Vous dites n'importe quoi. Oui. Vous faites n'importe quoi. Non. Comme Michael Cole, regardez qui n'en peut plus. Qui n'arrive pas à tenir sa place de commentateur. À tel point qu'il a peur d'être agressé. Et ça, c'est un signe. Hein. Quelqu'un qui a peur d'être agressé, ça veut dire qu'il sait qu'il dit du mal. Il sait qu'il répand le mal partout. Oh mon Dieu, qu'est-ce que... Oh là là. Il est même pas à SmackDown. Qu'est-ce qu'il fait là? Il est d'euro. Here we go. What's up? What's up? What's up? What's up? Il est déjà essoufflé. Bon, j'en profite pour saluer mes amis de la Lorraine, de la Moselle, de Bordeaux, d'Eure-et-Loire, de la Bretagne, du Nord, de la Belgique. Qu'est-ce que je dois encore saluer? Tous ceux que j'ai oubliés, ben, rappelez-moi le. Alors, moi, si ça vous dérange pas, il va pas bien, Michael Cole. Moi, je vais saluer tous mes amis de la France, hein. Je vais faire comme vous, je vais faire tous les départements. Mais non, mais j'y peux rien, les mecs, ils sont 30 000 à me mettre des messages, j'en suis ravi, mais je ne peux pas penser à tout et j'ai pas l'intelligence de le marquer sur un papier. Ah, ça, ça serait. Quoi, j'étais intelligent? Non. Oh mon Dieu. Non, mais je suis tout à fait en accord avec Michael Cole qui est en train de se moquer d'Air Trousse. You're not up at all. Il me plaît. Il est en train de lui dire, ah, c'est toi, t'es pas up, toi, t'es pas up. Columbus, Ohio. Hello. Il est en train d'exploser la salle. La salle répond. Oui, il m'explose les oreilles. Ah, mais franchement, ça vous dérange, les gens populaires. Hein. Il a quand même, heureusement qu'il a les deux gardes du corps pour le calmer. Bon, pour l'instant, il ne le calme pas grandement. Pour calmer, pour calmer. Pour empêcher ceux qui l'énervent de venir lui mettre le bafoué. Ils sont là pour protéger les autres, ces gardes du corps. Alors, on va voir comment le coach personnel de Michael Cole, puisque maintenant c'est le statut qu'il a, se débrouille face à Air Force. C'est parti avec une petite série de coups de bélier dans le coin, dans les cordes, et c'est interdit. Attention! Oh! Belly to belly suplex porté par Jack Swagger à la franchise Shane Douglas. Le dégagement de R-Truth. Je pense que ça va l'aider dans sa carrière, Jack Swagger, de côtoyer quelqu'un de, avec le charisme de Michael Cole. Parce que c'est peut-être un peu ce qui manquait à Swagger. Techniquement, vous laissez emporter là par, je sais pas, par la foule. Par quelle vague nauséabonde, mais franchement. Pardon ? Oui, quelle vague nauséabonde. Regardez, Michael Cole est littéralement debout là pour commenter. Mais certainement. Non pas les exploits de son poulain, mais la tragédie de son poulain qui est en train de se faire malmener par Air Force. Qu'est-ce qu'il fait? Quoi? Il se fait malmener par la serpillière là. Il a glissé, ça arrive. Wow, mais c'est une serpillière ce gars. Il devrait même plus être à la WWE. J'ai honte même pour Theodore Long qui a invité Air Truth à SmackDown ce soir. Vous allez voir Air Truth. Il va réagir, il va retrousser ses manches. Et va envoyer aussi ses coups de la corde à linge monstrueux. Ah oui, il a glissé tout à l'heure, vous avez vu, il est blessé. Il tient pas debout, le mec, c'est une loque humaine. Mais regardez-moi ça! C'est vulgaire! Allez. Oh, Swagger qui est passé! Par-dessus la troisième corde! Il est en train de nous énerver et on sait que c'est une arme. Oh mon Dieu, regardez-moi ce gars! Il a failli se tuer là! Ah oui, mais il a surtout... Slingshot, plein shadow! Oh, il a totalement loupé son saut. Il est redescendu droit comme un i, la tête la première. Heureusement qu'il a touché Swagger parce que sinon. Et ça aurait été malheureux, hein. Ça aurait été la fin d'Air Truth, et c'est pas du tout de l'ironie, hein, parce que je ne serais pas du tout félicité de voir Air Truth se briser le cou ce soir. Heureusement pour lui, ça va bien, ça nous permet de rappeler comme on le fait chaque semaine, de ne surtout pas essayer de copier. Il y a encore des instituteurs qui m'envoient des emails. Oui, alors dans ma classe, ils font le chahut, ils font du catch. Bah faites-les redoubler, les gamins qui font du catch. Comme ça, ils comprendront. Incroyable. Jack Swagger qui revient là sur... Le corps dans les cordes de Air Truth, c'est complètement interdit. Ce n'est pas un bon exemple. Oui, mais attendez, il est certainement vexé parce que Air Truth l'a fait passer par-dessus la troisième corde tout à l'heure et en plus après. Oh, c'est pris pour une torpille humaine. DDT avec la jambe. Et maintenant il va enchaîner. Et voilà. Il est en train de travailler en effet sur la jambe d'Air Truth. Non, mais c'est fini. Il risque de le faire abandonner comme il en a fait abandonner tant avant cela. Abandonne. La corde n'est pourtant pas loin. Monsieur, elle est loin, regarde. Il y a une chance, il y a l'espérant. C'est fini. Voilà. Alors, what's up? Ou plutôt, pardon, what's down?
Qu'est-ce qu'il y a en bas? Air Truce. On rappelle que à WrestleMania, Michael Cole sera sur le ring face à Jerry Lawler avec comme arbitre un certain Stone Cold Steve Austin. Et là, ça fait plusieurs fois que Swagger fait monter Michael Cole pour que celui-ci puisse se défouler. C'est honteux. Alors, comment tu te sens, Truth, hein? T'aimes bien cette position? J'ai un rap pour toi. Hey, I'm our truth, and I just tapped the jack. That's the truth, because I'm just whack. What's up? What's up? What's up? What's up? What's up? Il est fort. What's up? Yeah, c'est un mec polyvalent. Alors, il a évidemment, son rap était très simple, hein. Mon nom est Air Truth. Je viens de taper face à Jack. Ça, c'est la vérité, parce que je suis Columbus. Une blatte. Hey, Columbus, I got an idea. How about me and my trainer? How about we take a victory lap? Tiens, si on faisait un tour d'honneur, moi et mon entraîneur. Ouais, enfin, c'est le tour du déshonneur plutôt. Non, arrêtez, Christophe, arrêtez d'applaudir. C'est honteux, c'est honteux. What's up? What's up? Un tour d'honneur, c'est un tour d'honneur, et c'est pas des tours d'honneur. What's up? What's up? On rappelle que ce soir, Christian a rendez-vous avec Alberto Del Rio, l'adversaire pour le titre de son presque frère Edge. Il sera d'ailleurs là pour surveiller tout cela. C'est ce soir, c'est notre main event. C'est même tout de suite, en c'est effet. Tout de suite. Bah oui, à SmackDown. Hi. Bonjour, je suis Kofi Kingston, superstar de la WWE, avec un message très important pour nos fans. Les superstars de la WWE sont des athlètes professionnels surentraînés. Les mouvements que nous pratiquons sur le ring prennent des années d'entraînement pour être exécutés en toute sécurité. À tous les fans de la WWE, et en particulier aux miens partout dans le monde, n'essayez jamais de reproduire ce que nous faisons sur le ring, que ce soit à la maison ou à l'école. Faites attention à vous, ne faites pas ça chez vous. And now, the Raw Rebound. If there's any doubt in the WWE Universe on the ability of The Miz, the fact that I'm sitting home right now is proof. It's also proof that he deserves the right to claim that he can change the face of the WWE. I truly hope tonight The Miz rewrites history. Because at WrestleMania, I plan on making history. It is time to rewrite Miz story. This iconic WWE logo, I have flipped it upside down in the form of an M. And that M stands for Miz. How disrespectful. I don't ever plan on losing this title. Because I'm the Miz! And I'm fantastic, moving, epic, really good, Miz. You see, you two gentlemen have targeted the wrong individual. I will make history at WrestleMania. Oh no! I was supposed to be broadcasting tonight from my home. I am. For the past 9 years, the WWE has been my home, and I'm coming to take out the trash. Miz and A-Rod trying to take John Cena down. Miz, the WWE champion, picking his moment. Cena making an example of Riley tonight. John Cena is ready for WrestleMania. I plan on making history. On va vivre un WrestleMania de folie. Ce rendez-vous va être extraordinaire pour le titre de champion de la WWE. Il y aura ce match entre John Cena et le Miz. Et ce n'est pas tout, bien sûr. Des affiches, des main events à gogo.
Là, ce n'est pas un match, mais c'est presque mieux. Ou pire, ça dépend de ce qu'il fera. Le présentateur de WrestleMania, The Rock, sera là. Danger, danger pour Nexus, en tout cas, ce qu'il en reste. Son chef, CM Punk, sera bien seul face à Randy Orton, qui a décimé Nexus au cours des dernières semaines. Pour le championnat du monde poids lourd, The Rated R Superstar, 11 fois champion du monde, affronte un homme qui a gagné le Royal Rumble, qui participera à son premier WrestleMania direct dans le main event. L'homme au destin doré, Alberto Del Rio. Et justement, mesdames et messieurs, ce combat est prévu en un tombé. Laissez-moi vous présenter l'annonceur officiel d'Alberto Del Rio, Ricardo Rodriguez. Alors voilà la seule partie qui est intéressante quand Alberto Del Rio débarque, c'est de savoir quel modèle de voiture il a. Voilà, ben, super. Et alors c'est quoi? La suite Mercedes, elle est pas mal. Hein. Une Merco pour Alberto. Ouais. Ça Benz, Benz, Benz. Hippie-hop. Les oiseaux zoom-zem. Le futur champion du monde, poids lourd. Alberto avec une vraie présentation, on ah, se croirait. Je croyais que c'était encore klaxon, moi. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez, Philippe? On se croirait à l'Arena Mexico. Une vraie soirée de lucha libre ce soir pour WWE SmackDown. Vous avez mal aux dents? Ok. Mexico, Mexico. Oh, Philippe, vous êtes... Franchement, vous me faites honte. Bon, écoutez, moi, c'est Alberto Del Rio qui me fait honte de rouler comme ça en slip. Ça devient énervant. Aucun respect pour les sièges en cuir de ces voitures de luxe. Dans quelques jours maintenant, cet homme va réaliser sa destinée. Il va devenir l'un des plus grands champions du monde de l'histoire. Et derrière lui, voici son ancien rookie dans l'émission NXT, cette émission où on cherche de nouvelles stars, de nouveaux talents pour la WWE. Il s'agit de Brodus Clay. Et ça risque d'être la clé de sa victoire ce soir face à Christian. Le match, le main event, c'est tout de suite, mesdames et messieurs. Restez là, ça va déménager. Look in these eyes. I'm a predator. I'm an opportunist. Vindictive, manipulative. I tackle the seemingly impossible. My name is Edge. I call myself the best. Et la musique continue, lancinante, énervante d'Alberto Del Rio. Il attend avec impatience ce rendez-vous, il croit vraiment, il croit dur comme fer, qu'il sera le prochain champion du monde poids lourd. Mais avant cela, il y a ce match ce soir, et qui sait, et il pourrait regretter de se retrouver sur le même ring que cet homme, Christian. On le surnomme Captain Charisma, The Instant Classic. Christian, ancien partenaire d'Edge, des amis d'enfance tellement proches qu'ils se sont fait passer pendant des années pour des frères. Tous deux débarqués de Toronto, Ontario, Canada ce soir. Christian combat seul et Edge, on vous le rappelle, c'est la même chose pour Alberto Del Rio. Edge n'a pas le droit de frapper, de toucher, d'interagir physiquement avec le Mexicain Alberto Del Rio. Oui, c'est pour le bien sûr de cette affiche de WrestleMania, parce que s'il n'y avait pas eu cette stipulation de la part du General Manager aujourd'hui, Theodore Long, c'est sûr qu'Edge serait déjà en train de foncer, de spirer Alberto Del Rio. Alors ce soir, ben, ce combat, il va le vivre par procuration, par l'intermédiaire de son presque frère Christian. C'est parti, Christian immédiatement qui met l'univers de la WWE dans l'ambiance ici à Columbus, Ohio.
un vétéran des rings face à un jeune loup prêt à tout dévorer ici à la WWE. Alberto Del Rio qui a déjà eu une grande carrière dans le combat libre, qui a également eu une grande carrière dans la lucha libre au Mexique et qui a décidé de jouer la carte spéciale, aller à la WWE et tenter sa chance. Dieu sait qu'ils sont nombreux à l'avoir tenté. Rares sont ceux à avoir réussi comme l'a déjà fait Alberto Del Rio. Il ne lui reste plus qu'une étape, le championnat du monde poids lourd à WrestleMania. Christian se dégage d'une clé de tête et revient très fort avec un coup d'avant-bras ici. Bien joué de la part du Canadien. On revient encore ici avec une très belle clé de tête ici. Ici, c'est tout ce que vous avez à la bouche. Hein. Ici, au centre du ring. Ici, Paris, on vous rend l'antenne. Prise de tête portée par Captain Charisma. Alberto Del Rio qui vient l'acculer dans le coin. L'arbitre va faire casser la prise, c'est normal. Attention lorsqu'il va vouloir sortir. Forcément, il va être piégé par Alberto Del Rio. Quel salopard. Ah, il n'est pas... Oh, je vous en prie, monsieur Chemot. Certes, il n'est pas avare de mauvais coups, mais... Oh, et là, c'est quoi, ça? Il est au sol, dans les cordes, à terre. Ah bah, et on vient lui frapper dessus. Ah, il est au sol, à terre. Alors oui, il est bien sûr qu'il est au sol, à terre, Philippe. On est rarement au sol, en l'air. Alors si c'est pour répéter mille fois le truc, pour rendre la chose encore plus dramatique, Bien sûr. Il le projette en mouvement, dans le coin, vous savez, là où il y a le coin. Oui. C'est pour renforcer tout ça. Oh là, il l'a fait passer. Par-dessus la troisième corde. Oh, qu'il a été haut. Oui, Captain Et Charisma. Ce n'est pas fini. Prêt à prendre tous les risques du haut de la troisième corde. Crossbody, lucha libre style. Et pourtant, le Mexicain, ce n'est pas lui. Mais quel geste extraordinaire de la part de Christian. On va revoir ça. Ah oui, le temps s'est arrêté, regardez. Et il a fait mouche, hein, d'une précision chirurgicale, le Canadien. The perfect mix of beauty and power. Davis! Flawless! A little vision of perfection. Smart, sexy and powerful. She's going up top. Oh, wow! You want to talk hot? Play cool! The vibrant and spunky. Nous sommes de retour sur le ring de SmackDown où Alberto Del Rio a eu le temps de remonter péniblement sur le ring. Celui qui a les choses en bas actuellement, hein, c'est Christian. Ouh, même si là il n'a pas eu le temps de voir venir ce petit coup de pied, ce petit low kick de la part d'Alberto Del Rio qui passe une nouvelle fois par-dessus la troisième corde. Il veut encore s'envoler. Ouais, ça fait Christian deux fois. Est chaud ce soir, comme la braise, mesdames et messieurs. Tacle glissé, bien esquivé. Alberto, qui vient le projeter directement dans les barrières ça de sécurité. Démange. Oh, ça le démange. Vous avez vu derrière Edge. Il n'a qu'une envie, c'est d'y aller, mais il n'a pas le droit. Et on vous le rappelle, la semaine dernière, Christian faisait face à Alberto Del Rio dans un combat en cage, remporté par le Canadien, Christian. Mais à la fin du match, Alberto Del Rio s'en est d'abord pris à Christian, puis ensuite il s'en est pris à Edge. Jusqu'à ce qu'il lui porte un concerto, un coup avec deux chaises pour lui briser le bras. Ah non, il n'y aura pas trois, simplement deux. La blessure apparente de Edge à l'extérieur du ring, elle est due à ce concerto d'Alberto Del Rio, aidé par Brodus Clay. Et on le sait, hein, Brodus Clay est un véritable destructeur. Sa présence ce soir n'est pas rassurante. Lui, bien sûr, en cas d'intervention, il ne serait pas puni. Non, mais Edge ne serait pas puni non plus s'il venait à contrecarrer les plans de Brodus Clay. Écoutez, eh bien qu'il intervienne, Brodus Clay, je pense que ça fera plaisir à Edge parce qu'il est frustré, hein, littéralement. Ah, on sent qu'il par bouillonne. Cette stipulation. Ben oui. C'est vrai, on sent qu'il a envie d'une chose. Bon, il a été très clair avec Theodore Long, hein. Laisse-moi faire. Je veux me le faire. Alberto Del Rio a dit exactement la même chose, mais comme souvent, eh bien... Qui ça? Il a dit quoi? Je veux me le faire. Ah, il veut... Bah oui. Non, mais n'allez pas essayer de tourner mes dires. Les deux hommes veulent régler leur compte dès ce soir. Voilà, voilà clairement ce que d'accord. Je voulais dire. Soyez précis dans vos propos. Oui, mais je pense que tout le monde avait compris, hein, par vous. Un et deux et... Et il n'y aura pas trois. Encore un dégagement réflexe. Fort heureusement pour Christian. Alberto Del Rio qui nous a sorti un Senton Splash, prise très usitée au Mexique, très populaire dans les combats de lucha libre, surtout auprès des poids lourds. Le WrestleMania, c'est dans 9 jours, l'affiche
lumineuse, qui le sera encore plus lorsque les feux d'artifice exploseront, lorsque les ballons tomberont dans le Georgia Dome et lorsqu'on entendra un annonceur annoncer justement, c'est son métier, oui, le nouveau champion du monde poids lourd, Alberto Del Rio. Vous avez le droit d'espérer, mon cher Christian, d'autant que vous serez là à quelques mètres seulement. En attendant, Alberto Del Rio rêve lui aussi toujours, et ce rêve passe par une défaite de Christian ce soir, histoire de le motiver, encore plus de le rassurer. Il est quand même passé deux fois par-dessus le corde ce soir. Oui, mais ça ne l'empêche pas de dominer cette rencontre maintenant du haut de la deuxième corde. Il suffit que je le dise pour que Captain Charisma se relève. Christian sur la deuxième corde maintenant. Tout l'univers de la WWE est derrière lui. Top rope, oh oui, pour Rock'n Run. Ce que vient de faire Christian est absolument extraordinaire. C'est lui qui fait la différence le ce tombé, soir. Le tombé, le tombé, le tombé. Un, et deux, c'est fini. Et trois, non, c'est fini, non, non. Oh, j'avais vu trois. Ce soir, j'avais vu trois. Captain Charisma s'est transformé en luchador. Ah oui, il est en train là de battre Alberto Del Rio sur un terrain mexicain. Effectivement, et quand on connaît l'expérience de Christian, quand on sait tout ce qu'il a subi dans sa carrière, c'est incroyable de le voir se combattre comme un véritable genou ce soir, à la vitesse de l'éclair. Allez. Le coup d'avant-bras. Ah, il a mal, mais c'est pas grave, il va encore en donner des coups. Alberto Del Rio tente de se réfugier dans les cordes. Yes. La saucisse. Christian, première, deuxième, troisième corde maintenant. Ah, il est prêt à prendre tous les risques ce soir. Et on a pu voir que ça a déjà payé pour lui. Allez, on va y retrouver un petit peu de sensation dans ce bras. Non, non, non. Oh, non, là, non. Quel dommage. Totalement quel téléphoné. Dommage. Erreur, erreur là de Christian qui pourtant n'est pas né de la dernière plume. Ouais. On a vu, vous avez vu l'émotion dans les yeux de Christian. Il a surtout perdu un petit peu de temps quand même. Et là, il y a une autre émotion de la haine dans le regard d'Alberto. Into Gary Esquivel. Oh, pas mal, oh, pas mal. Il va remettre ça de ce côté-là. Allez, 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 faut se dépêcher, attention. D'autant plus qu'il y a Brodusley, mais l'arbitre veille. Ça va partir, Christian avec le tornado. DDT, c'est fait. Ah, c'est la fin. On peut pas se relever de ça. Allez, faut enchaîner. C'est terminé, c'est terminé. Un et deux. Oh non, 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 il manquait plus maintenant. Pardon. C'était fini. Non. C'était fini. Non. Il y a Ricardo Rodriguez. Brodusley, attention, attention. Oh. Ou alors ça. Alors ça, le mastodonte, l'éléphant, Brodusley qui est venu matraquer le rouleau compresseur plutôt, oui. Côté dans l'abdomen, Alberto Del Rio avec son Jujigatame. Il ne bouge plus, Christian. Si. Il est contré. Il a été contré. Il est contré. Il a été contré. C'est pas possible, quel switch, non. Belly to back suplex. Il est en place. Non, Inzugiri. Oh non, pas ça, pas ça. Non, pas ça. Un, deux et trois. Non. Non. Il s'est relevé. Christian est encore dans le match. Il s'est relevé. Dégage. In extremis. Simplement deux. Mais pas un petit deux, pas un deux minuscule, pas un deux rikiki, non. Un gros deux. Un simplement deux. Ah ouais, ouais, mais là, il ne peut rien faire. Tu dis qu'attends. La corde, la corde, la corde. La corde. Faut qu'il lâche, faut qu'il lâche. Faut qu'il lâche. Philippe, je vous en prie, laissez l'arbitre faire son travail. Quel combat. Quel combat. Oh, il y a une tension. Oh, énorme double autour de ce ring. Coup de la corde à linge. Ils se sont auto-corde à linge et bien derrière. Spear, spear, Edge, lance le spear. Ouais. Tout rouleau compresseur qu'il est, mastodonte rhinocéros qu'il est, il vient d'être spiré par Edge, qui n'en pouvait plus. Ah non, 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 ça, non. Ça commençait à gronder en lui. Il peut pas. Fallait qu'il expulse. Et là, il expulse, ça y est. Il est en train de se libérer. Libère-toi, Edge, vas-y. Envoie tout ce que tu peux. Et dans le ring, ça se poursuit. Combat incroyable pour clôturer cette émission. WWE SmackDown, mesdames et messieurs, Columbus, Ohio. Et le kill switch. Kill switch. Kill switch. Il a hésité. 1, 2 et 3 victoires de Captain Charisma qui vient de battre pour la deuxième semaine consécutive le challenger numéro 1 au championnat du monde poids lourd. J'ai plus de souffle. Il a hésité 2 secondes, Alberto Del Rio, en regardant Edge. Et ces 2 secondes lui ont été fatales. Mesdames et messieurs, il est dans le doute à quelques jours de son grand rendez-vous de WrestleMania. C'est lui qui a certainement pu le mieux se préparer. Hein. Ça fait longtemps qu'il avait ce ticket depuis qu'il a gagné le Royal Rumble. Eh bien, non. Alberto Del Rio... Philippe, non, Philippe. Lorsque c'est la Nexus, lorsque c'est Core, vous vous outrez. Mais là, Edge... Comment ça, non? Non, je... Mais attendez, il se passe rien. Oh, il se passe rien. Il y a Edge qui est juste un petit peu nerveux. Vous prenez pour qui? Ça fait pas 20 piges que je suis la WWE pour me dire il se passe rien.
Je le vois bien dans les yeux d'Edge qu'il se passe quelque chose. Je vois bien dans les mains d'Edge qu'il y a quelque chose aussi. Mais bon, il va. Raison gardée. Il y a une stipulation, il peut pas se permettre. Ah ouais, bien vu. Voilà, ça c'est un vrai ami. Eh oui, il lui dit si tu le frappes, t'oublierais WrestleMania, mon pote. Tu peux pas faire ça ce soir, tu peux pas prendre cette décision comme ça. Il allait vraiment le faire. Il avait complètement perdu. Vous avez vu sa tête ? Il est fou. On dirait The Shining. Il est fou. Par contre. Non. Ah, si, si. Oh, Joe DiMaggio. Ah, c'est pas mal. Voilà qui va certainement calmer. Regardez. Déjà, il est beaucoup plus détendu, Edge. Vous sentez qu'il est détendu ? Ah non, je sens pas. Mesdames et messieurs, Edge Nicholson est en train de lancer un message à Alberto Del Rio. WrestleMania, I can put my hands on you again. À WrestleMania, je pourrais m'en prendre à toi. My destiny. C'est mon destin. C'est terrible. Un destin que l'on va suivre évidemment dès la semaine prochaine encore à SmackDown. Mais pour l'instant, la grande soirée de catch continue sur NT1 après SmackDown. Il y a Raw dans Catch Attack. À tout de suite!